Nana, t'es notre assistante du jour. Bon, Manouille. Venez madame, installez-vous. Prenez place dans mon salon haut de gamme, où les coiffeuses sont assises par terre. C'est un nouveau concept. Nous allons voir la première coiffure que nous allons faire ensemble, si je trouve mon téléphone. Alors sur cette première vidéo, elle prend ses cheveux. Ah on a déjà, alors on n'a pas ça, mais c'est pas grave, on fera 100. Elle lisse sa mèche de devant, elle fait une frange et elle met un bandeau. Déjà il me manque un outil, il me manque le truc en... pour faire la boule là. Première étape, et pas des moindres, se brosser les cheveux. Avec délicatesse. Ah mais elle est partie. Arrête. Sachez que moi je sais juste faire les tresses hein, d'habitude. Là, oh là là. C'est horrible hein. C'est horrible. Là on fait, oh, putain mais pourquoi il y a plein de cheveux qui reviennent. Donc on fait une queue de cheval. En fait je vais venir la bloquer. Tonton, regarde pas, t'as la surprise. On dirait à la les trolls. Comme ça, on va voir la tête que t'aurais avec une frange. Mais elle, sa frange, elle est genre parfaite. Elle a les cheveux trop longs, Loulou, en fait. Attends. C'est quoi, ça? Bouge pas. On y est presque. Et franchement... C'est quoi? Nous sommes sur une frange dégradée filée 2020. Qu'en pensez? Est-ce que vous êtes contente, madame? Super. Vous regardez, madame? Je vais vous payer, madame. Je vais vous payer. Et c'est pas mal, moi j'aime bien. On peut dire que le premier est un fail. Bah oui, franchement, c'est pas mal. Non, c'est la dame qui décide. C'est un fail. C'est une arnaque, madame. Je vais me rattraper, on va tester notre coiffure. Comme d'habitude, nous, on vous invite à voter chaque TikTok Air Hack dans les commentaires sur 10. Et suivez-nous pour le TikTok Air Hack numéro 2. Numéro 2, alors nouvelle vidéo. Elle a une brosse, elle claque des... Ouh, elle claque des doigts, elle a une queue de cheval, quoi. Elle fait un Scooby... Alors, on refait comme là maintenant, ok. On sait pas... Ah, c'est pour faire le nœud. Je crois que je te le faisais quand t'étais petite, mais j'ai jamais réussi à bien le faire. Vous voulez ça, madame? Oui, mais par contre, je vous paye à la fin, du coup. D'accord. Bon, une première queue de cheval haute. Tenez la brosse, madame, aidez-moi. J'arrive même pas à faire une queue de cheval nette, c'est pas possible, ça. Si je mets une heure à faire une queue de cheval, Ninou se lève, mais ce qu'il sait pas, c'est que je vais me rasseoir. C'est limite mieux que tout à l'heure. Pour la frange, si j'avais fait ça, c'était mieux. Ça, je le prends. Il faut que je scinde ça. Yeah. On dirait l'os de Pluto. Je vais voir le nœud. Attends, j'ai pas fini. Épingle. Mais on a un nœud. Ouais. Non mais bouge pas. Non, mais non, là, pas bouger, hein. Non, il est pas solide. Attends, laisse-le noter mon nœud d'abord. Notez le nœud. Ninou, franchement. Ouais, non, c'est vraiment mieux que tout à l'heure. Et la cliente, qu'en pense-t-elle? C'est bien. Les cheveux sont détachés, on passe au TikTok Air Hack numéro 3. Pour cette nouvelle vidéo, on y voit une nana qui a beaucoup de chance parce qu'elle est sur la plage. Elle tresse les cheveux par le dessous en fait pour pas avoir les petits cheveux, vous savez, qui nous saoulent tout le temps. Et elle fait un chignon à l'arrache. Alors ça me saoule les meufs comme ce qui se coiffent hyper rapidement et qui font un truc hyper canon. Ok, elle a pas du tout confiance en moi, Loël. Tu vas me faire mal. C'est... Non. Mais déjà, comment elle trouve... En plus, elle le fait toute seule, la meuf, quoi. Je sais pas du tout comment je vais m'y prendre. Pardon, Ninou, hein. On s'adapte. Je vais tresser par en dessous. Parce qu'en fait, quand on tresse par en dessous, ça fait plus de relief. La position, Loulou, ça va? C'est confort? Là, on commence à être pas mal, ma Loulou. Mais je m'arrête quand, en fait? Là, je crois qu'il faut que je m'arrête, non? Bouge pas! Alors, elle, après, elle prend ses cheveux, genre, comme ça. Je pense qu'on a un truc très beau. Et, elle fait, et on est d'accord qu'elle fait un chouchou, genre, à l'arrache, hein? Ouais. Est-ce que tu peux te tourner, maintenant? Tourne-toi. Attends. Il aurait fallu la commencer plus basse. Quand t'es à la plage, t'es jamais coiffée, bébé. Si déjà t'as ça à la plage, t'es contente en vrai. Ouais, ben reste à la maison, non, alors, hein, pas à la plage. Hein. Ouais, ça rend pas comme elle, quoi. Madame, est-ce que cette coiffure vous plaît? Non. Okay. Et vous rendez-moi notre argent. Non, mais on va en essayer une autre. Hein, moi, je vais être payée quand même. Bon, je détache les cheveux et on passe au TikTok Air Hack suivant. Alors sur cette vidéo, on y voit quelqu'un qui coiffe une perruque. Alors déjà, quand on coiffe une perruque, on va dire ce qui est, c'est quand même beaucoup plus facile. Et oh là là, il y fait un... Alors j'ai rien compris, il a fait un espèce de nœud. Il va falloir que je regarde 20 fois la vidéo pour le comprendre. Et grâce à ce nœud, en rentrant les cheveux, en fait, il obtient un chignon absolument parfait. Sauf que quand on connaît ma dextérité, on se dit que ça va pas être si facile que ça. Ça a l'air facile, mais à mon avis, ça n'est pas facile. Donc on va redémêler tout ça. C'est bon, il n'y a plus de nœud. Je croyais qu'il y avait plus de... Est-ce que papa, il t'a déjà coiffé? Oui. Quand? Quand t'étais partie au meilleur pâtissier. Ah oui, je m'en rappelle. Ouais, la maîtresse, elle m'avait dit que ça se voyait que j'étais plus là. Comme ça, il enroule, il passe là.
Je regarde image par image. C'est pas mal ce qu'elle est en train de faire. Attends, je suis enfin sur un truc bien. Ouh là, on est sur un truc bien. On dirait un donut. Mais ouais, en fait ça évite, tu sais, d'avoir justement le truc pour faire la coiffure baisse la tête. Mais le truc c'est que je pense que ça tient pas par contre. Ou alors faudrait mettre des épingles, attends. C'est canon et je suis trop contente. Ça fait du volume de fou hein. C'est beau hein. Il est gros. Bah oui, t'as vu. Ça fait hyper oui bonjour madame. Nous sommes à quelle table s'il vous plaît? Oh attendez, comment ça en confinement? Mais je m'en fiche, j'ai 18 salles de jeu moi chez moi. Oh c'est incroyable. Oh dis donc. Moi je fais son fantastique. Des gens, la blague sans fin quoi. Tili, madame, validez-vous cette coiffure? Non. Quoi? Si, si. C'est juste que tu veux pas payer en fait. C'est quoi le suivant? C'est une surprise. T'as vu mes ongles, ils sont géants, j'ai des ongles de femme. Faut changer la coiffure, vite, elle prend le melon. Vite, détachez-lui les cheveux. C'est la melonitude. Qu'est-ce que tu fais avec ça toi? Mais c'est, tu vas voir, je vais t'expliquer. C'est pour me laver les mains. On est en confinement, on fait avec les moyens du bord, ok? Transition. Ma loulou, on en était donc là. Je vais te faire. Je souffle. Quelque chose que tu attends de faire depuis très longtemps. Donc du coup, vu qu'on est en confinement, là je me suis dit c'est le moment ou jamais. Ben oui. Oh regarde la craie. Il y a absolument toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et c'est des craies pour colorer les cheveux. Donc Lou elle connaît déjà les craies parce qu'en fait on avait utilisé uniquement la rose et un peu la bleue. On lui avait fait quelques mèches pour s'amuser. Mais là ma loulou je te propose, on fait vraiment les cheveux arc-en-ciel. Bon du coup, alors il faut... Vu que j'ai pas de pchipchit comme les coiffeurs, ça c'est pour laver les dents normalement et je me suis mais dit... Non, ça va me faire mal, c'est plus mais non, allez... Oui, cet objet est intrigant, surprenant. Alors, à l'insu de tous, j'ai voulu prendre une initiative et tester une expérience. Tu vas t'arracher les gencives, hein? C'est fort. Je vous ai dit que c'était une coiffure. Étale! Étale! Étale, quel est... Mais éteins-le, putain! Ah, je bats, c'est dégueulasse! Bref, j'ai bu la tasse. On va commencer par le bleu. Ah ouais, c'est bleu, bleu. Quand on va laisser les racines blondes, je pense, ça sera plus joli. Là, ça marche super bien. Moi, en tout cas, je trouve ça super génial pour les enfants. Quand ils ont envie d'un peu de fantaisie dans les cheveux. Mais ouais, de toute façon, ça part au shampoing. Voilà, c'est pas mauvais pour le cheveu. Alors, est-ce que le jaune, ça va bien marcher sur ses cheveux? Ah oui. Ah, le orange, c'est canon. C'est... Rien que comme ça, ça a déjà de la gueule. Hein. T'es prêt? Vas-y. Regardez ça, bon là c'est mouillé, on va aller sécher, on va voir bien comment ça rend. Moi je vois pas. Mais ah ouais, mais tu vas ça kiffer. M'énerve. Ah je te jure, tu vas kiffer. Allez, on va sécher. Regardez cet arc-en-ciel de couleurs, franchement c'est juste mais canon. On a le bleu, le jaune, le orange, le rose, le rouge, le mauve. Et je me permets de vous demander madame, êtes-vous satisfaite du résultat? Pas du tout. Non. Oui, oui, oui. Si tu dois me donner une note globale sur 10, tu me donnes combien? 5. Ouais. Non, 10, 10. Sur 20. Ah ouais, la moyenne, quoi. écoutez, mes gourmandises, en tout cas, moi, j'ai passé un super moment. On s'est vraiment, vraiment bien marré. Ça fait éclate. Du bien. Oh. Éclate. On vous donne rendez-vous dès mardi à 17h30 dans une nouvelle vidéo. En attendant, on vous fait une avalanche de gros bisous d'amour. Et on se retrouve donc mardi dans une nouvelle vidéo. Ciao. Ciao.